il y a encore plus intelligent. Sora ni dragon ga 2 to me no mae ni dragon no ko ga 3 ni mada iru kanosei mo aru ga wa ga shiro o suki katte ni tobi mawari otte marudogiru wa hisashiku wasurete ita kanjou o omoi dashita ikari da yokatta na kore de ningen ni oitsuita. まだドラゴンが生きていたとは深い。お、やっと口を開いたか、アクノロギア。貴様、我が敵と認識。熱流する。<笑>燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。 La tête de Rogue. Je viens de remarquer, là, on est bientôt à 5000 followers, là, 4988. Encore 12 personnes pour être aux 5000 followers sur Twitch. Si vous regardez la rediffusion, venez me suivre sur Twitch, les gars. Et même quand Fairy Tail sera terminé, je vais vous proposer pas mal de live, hein, vous inquiétez pas. Surtout sur Genshin Impact quand le jeu sortira. Tout le monde a follow, là. Allez! Qui dans le chat n'a pas encore follow? Je suis sûr qu'il y en a bien au moins, allez, quelques-uns. Peut-être pas 12, mais je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Je vous vois. Du coup, vas-y, hein, je vais juste faire un truc classique comme ça. Niveau 47, le monsieur. Et sur P4G quand ce sera traduit. Exact, sur Persona 4, Golden. C'est The Golden ou Golden, tout court? Alors, Giga Rayon de l'Ombre. Infliger aveuglement. On va lui infliger aveuglement. Joum. Shadow Ray. Qu'est-ce qui fait bien des dégâts là? Octroie barrière, réduction des dégâts subis, augmente votre défense. Ah, le White Drive, il est plutôt sympa. Mais bon, pas très utile. Augmente la défense et l'attaque de tous les alliés. C'est génial ça. Golden tout court. J'ai commencé le jeu, il y a une scène qui m'a tué. Tes personnages sont niveau combien? Niveau 50 à peu près, niveau 49-50. Ouch. Il nous sort des tentacules. Tiens, on va mettre pari à l'interception sur Neatsu. Du coup, il a counter. Augmente l'hostilité, augmente votre défense, diminue la chance. Tiens, je vais diminuer ta chance. Boum. Ah non, c'est... Ça diminue la chance de qui? Je ne sais pas. On lui a toujours pas infligé aveuglement. On continue avec ça. Nique le français. Les rayons sacrés, c'est pété. Le rayon sacré, c'est pété. Mais oui, tellement. Déjà, c'est ton attaque la plus forte. Et en plus, ça booste les stats de tous tes partenaires. De manière à 100%, tu vois. Ça, c'est dingue. Tiens, je vais t'infliger brûlure. Ok.
reste 214, donc je peux continuer à lui balancer ça. Shadow Ray! Punaise! J'ai toujours pas assez pour faire la jauge. Augmente la défense de tous. Giga Comète Sacré. Je vais attendre d'être dans le combat final. Ronce pour faire la jauge. Yeah. Ronce. On en est loin. Et là, on commence à prendre des dégâts. Hein. Ouais, bon, il n'y a que Sting. Il n'y a que Sting qui prend vraiment un petit peu trop de dégâts. Mais il va survivre. On va faire son attaque la plus pétée, celle-ci. Giga Rayon Sacré. Il y a combien d'heures de jeu dessus? 26, 27. Un truc du genre. Il va infliger brûlure. On va continuer avec la brûlure. Hein. On va continuer avec ça. Parce que je suis sûr qu'après ce combat, il n'y aura plus que Natsu. Ok, c'est bon, battu. Ah ouais, t'as rush le jeu? Non, généralement, les gens sur ce jeu le terminent en 25 heures. Moi, j'ai pris mon temps, hein. J'ai fait un petit peu plus de quêtes que nécessaire. Des quêtes secondaires. ジブンという子がそう意すると、どんな状態であろうか、考えるだけで大ぞましい。マルドギール、名王と呼ばれ、マスターなきタルタロスを預かっている。この感情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とともに。なんだ。 On veut dire, après, en termes de niveau, moi je suis à peu près, je suis niveau 50 pour la fin du jeu, ce qui, je suis totalement à niveau, je pense. Je suis pas trop au-dessus, je suis pas en dessous, je suis à peu près au bon niveau. Donc... Mais je crois que c'est ce qui avait été annoncé, hein. Je crois que dans une interview, celui qui a fait le jeu a dit qu'il fallait genre... Bon, un petit peu un américain, mais genre 30 heures pour... Si tu faisais les quêtes, pour terminer le jeu. Après, en vrai, de mon côté, je ferai... Après, peut-être qu'il prend en compte de faire l'épilogue, de faire tous les trucs secondaires à faire après la... Super magie. Allez, Kana. Fairy Glitter. Par contre, j'ai pas vu la traduction qu'ils ont fait pour le Fairy Glitter. Parce que je crois qu'ils ont traduit le nom. Ok. Alors, on a toujours nos boosts. Bon, par contre, il n'est plus trop bien, notre très cher Sting. Donc, on va lui mettre un petit peu de heal. Il y a que là qui sort de nulle part. Hein. Faites pas gaffe. Ok. Éveil. Dragon Force. Dragon Force. Bam. Allez, je diminue ta vitesse. Ça ne sort pas à grand chose. On va de toute façon plus vite que lui. Compétence de perception. Yoy. Ibara. C'est trop stylé qu'il lance toutes ses attaques depuis son trône comme ça. Genre le mec tellement badass. Ah, pourquoi je peux réattaquer? Giga Révolution de l'ombre. Rayon de l'ombre. C'est quoi cette compétence de personnage qu'il a? Après ouais, je sais qu'il y a pas mal de choses à faire après l'histoire. Après, est-ce que c'est intéressant à faire en live? Je ne sais pas. Peut-être que je ferai un live supplémentaire pour revisiter un petit peu tout ça, mais le problème c'est que je trouve que pour un live c'est pas assez... Enfin... Je sais pas si c'est assez linéaire. J'aime bien faire des choses linéaires en live. Comme ça je sais où je vais, il n'y a pas de temps mort, où il n'y a pas de
ce moment où j'attends de voir, enfin, je cherche ce qu'il faut faire pendant 10 minutes. Mode du dragon de l'ombre blanche, pouvoir du dragon. C'est quoi mode du dragon de l'ombre blanche? C'est plutôt stylé. Mais ça, ça vient d'ici ou ça... Enfin, je veux dire, ça vient de cet arc ou c'est plus tard? Parce que ça me paraît très prématuré. Je me souvenais plus qu'il faisait ça ici. Hein. Salut Pika Petit. Hop. Interception. Non. Natsu, je vais garder l'éveil de Natsu pour plus tard. Combien les attaques pour aller plus vite sinon? Combien les attaques pour aller plus vite sinon? Non. Bon, on va refaire le Gigarayon. On va le terminer avec ça. Il y a un épilogue après la fin de l'histoire qui peut être intéressant. Il y a peut-être la quête de 10 ans et de 100 ans. それが限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。 逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。いいな。 様は破壊されるのだ。この我に。あんた。 大陸中の魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることでENDの封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、ENDは樽太郎スのマスターにしてゼレフ書最強の悪魔。ENDが復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船な。 行きたければお前一人でも行けばいいだろう。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるかね。我が部下たちは誰一人として気づいていないがね。我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。 ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし者、それがゼレフ書の悪魔ENDはその最高傑作だ。 だが、何があったのかこうして再び本に封じられてしまった。魔力が溢れるアースランドにおいて絶対に解かれることのない封印によって。しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け ENDは復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いであり ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩くかね。もし、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 
te rappelle des événements qu'il y a au tout début du jeu, de l'anime, c'est très satisfaisant. Tu te dis, j'ai retrouvé les champs. Tu te dis, quand même, le gars avait pensé à tout ça dès le début. Juste incroyable. Pourquoi il parle de jardinage? Kisama, nani mono da? Omae o taosu tame ni koko ni kita Devil Slayer da. Devil Slayer. Nanda soria? Netsuryu wa ryu o uchi. Netsujin ga kami o uchi to sureba. Merci Rogue. Mais si un chasseur de dragons chasse des dragons et que les chasseurs de dieux chassent les dieux. Un chasseur de démons, ça? Tiens, ça chasse les animaux! Ah non, les démons. Alors, du coup, nous allons le Bolos. Est-ce qu'il y a une nouvelle magie, là? Patinoire. Gantelet du... Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. J'ai pas trop envie de le pousser, lui. Ouais. Ajoute contre. Ajoute contre. T'es géant sur ce jeu. Ah mais arrête avec tes interceptions là. Un petit peu chiant. Grey m'a quitté. Igneel no makura mo modotte kita. Yosha. Ouais, toute la puissance de Natsu était dans l'écharpe. Pouvoir du dragon. Allez, mais regardez. Tous dans leur mode là. Leur mode ultime. C'est dommage que j'ai pas l'impression que Natsu ait d'attaque hyper forte par rapport aux autres. Les autres, ils ont des attaques qui ont pouvoir 4. Lui, il a que des attaques avec le pouvoir 3. Ajoute contre. Ok. Oh là là, par contre, il a beaucoup de PV, le monsieur. Vraiment beaucoup de PV. Avec ces plantes là qui sortent du sol. Ah, un petit peu marre. Wow! Ça c'est gros, hein! Wow! Je ne sais pas qui est à moitié mort là. Arrête de parler à la troisième personne, hein, c'est pas ouf. Donc nous avons Wendy avec nous, qui était à moitié en train de... c'est Grey en plus qui est à moitié en train de mourir. Deus Zero annule toutes les altérations, augmente la vitesse, on va augmenter la défense de tout le monde. Ah, quoique, la défense on le fera avec l'autre là. Donc restaure tous les PV de tout le monde. Heal! Voilà. On le fera avec lui. Giga rayon sacré, augmente l'attaque et la défense de tout le monde! Bon, par contre, il n'est plus en Dragon Force. Ok. Magie. Ah, attendez, je peux activer l'éveil. Chasseur de démons! Et il se déshabille. Un mode qui permet de se déshabiller. Monde argenté de glace. Oh! Point destructeur du démon de glace absolue. Donc ça c'est nouveau. Katana du démon de glace absolue. Punaise, mais ça... Marteau de glace illimité, geyser de glace, geyser de glace illimité. Et il a plein de nouvelles attaques là. J'ai envie de tester le monde argenté de glace, mais... Le katana du démon de glace absolue me fait de l'œil aussi. Je peux infliger gel. Bon, ça fait 1800. Hein. Katana!
Let's go. Du coup, je vais faire. Je vais essayer de lui mettre de la brûlure. Ouais, il fait 1400. Hein. Ou une attaque qui coûte moins cher que celle de Grey, il fait quand même seulement 400 points de, 400 de dégâts en moins. Inflige aveuglement, on va continuer avec ça. Shadow Ray. Bon. Interception. Ok, let's go. Fleur cachot. Alors, je sais plus pour les Unison Red, les gars. Il faut deux personnes en éveil? Ou il en faut qu'un seul? Est-ce que vous pouvez me le rappeler, ça? Parce que là, on peut faire un Unison Red. Une seule suffit, ok. Oh, on peut faire le Unison Red de Grey. Let's go. Là, on va lui faire très très mal au monsieur. Et pick up. Non, pas avec lui. Unison Red avec Natsu. Parce qu'ils ont un bon Unison Red. Ouf. Voilà. Bon, maintenant on n'a plus qu'à le spammer. Chance supplémentaire. En plus, on a deux personnages en éveil. Donc les dégâts sont vraiment accrus pour deux personnages. Et Wendy n'aura pas eu le temps de se mettre en Dragon Force. J'en ai peur. Allez, Wendy, c'est toi qui le défonce. Ah, même pas. Si. Oula. Il est mort, là. Il est mort. Nice. Sono chikara. Mardogiru no shin no sugata no mae de mo tsuyou suru to omotte iru no ka ne. 400 nen buri ni END ga mezameru no da. Mardogiru mo me o samasou dewa nai ka. わが名はマルドギール・タルタロス。冥府の王にして絶対の悪魔。夏。ああ、分かってる。フェアリーテイルの名にかけて、お前を倒す。来い、人間ども。これが最後の戦いだ。 Rogue et Sting qui se disent, mais nous on n'est pas de Fairy Tail. On s'en fout. On va dire que c'est Fairy Tail. Oh là là, Yggdrasil. Ouf. Ah non, je ne vais pas faire l'éveil avec Wendy. Comme ça, en tout cas pas comme ça. J'espère que tu ne tues personne. En tout cas, que tu ne tues pas Wendy. Je crois que tout le monde est encore en vie. Bon. On va faire... le monde argenté de glace. Ok. C'est moi ! Que 1300. Allez, éveil ! Pouvoir du dragon ! Pff ! Allez ! Contre Wendy, là. Juste la boss ! Wendy, la boss ! Kai, heal ! Sur tout le monde. Bon, on la met en Dragon Force juste pour soigner, hein. C'est très rentable. du coup... Jigagen. Dernier combat, pause bleue. C'est toujours pas le dernier combat, hein. C'est toujours pas final. C'est toujours pas marqué en finale.
Pourquoi Gray n'a plus de boost pour l'os là? Je vais ajouter un contre. De Fairy Tail Sting Error Glow. Je vais diminuer la chance de son truc là. Et je pense qu'ils vont nous faire. Je pense que le dernier combat ce sera genre. Mince, j'ai deux interceptions. Le dernier combat ce sera. Natsu contre Malgear. Ça va, il fait beaucoup moins de dégâts le petit gros. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méga attaque avec Wendy? Giga. Non, on a la tornade du dragon céleste ou alors la super tornade de céleste éclatante. Bon, vas-y, on va lui mettre ça. Hein. En vrai, j'aurais bien aimé jouer à ce jeu sur une console qui fait les effets, enfin qui modélise mieux les effets. Parce qu'en vrai, je trouve que les attaques sont vraiment très satisfaisantes à lancer. Sauf que je suis sur Switch, donc c'est bien plus limité graphiquement. J'ai pas envie de le faire reculer encore une fois, donc on va lui balancer ça. Counter. Ah, toi, t'es plus en Dragon Force. Ah, mais je peux rapprocher l'ennemi avec ça. Tiens, vas-y, rapproche-toi. Non. Éveil, pouvoir du dragon. Et avec ça, on va essayer de lui infliger aveuglement. L'aveuglement qui est toujours pas passé sur lui, hein, mais... Peut-être que ça passera à un moment. Mode du dragon de l'ombre blanche. Magie. Et on va remettre le Giga Ray. Le Holy Ray plutôt. Giga Holy Ray. Boost pour tout le monde. Ça me donne envie de remater un petit peu les derniers épisodes de cet arc, puisque j'avais énormément kiffé cet arc. Vraiment très très cool. Après, malheureusement, c'est Fairy Tail et c'était genre un combat, c'était sur 5 épisodes, donc c'était un petit peu chiant. Du coup, super tornade, hein, je pense qu'on n'a plus rien d'autre. Attendez, on va faire l'autre attaque là. Rapproche l'ennemi d'un rang. Mardugir! Voilà, qu'on change un petit peu. Voilà. Ah non, je pense que le dernier combat ce sera Natsu et Gray contre Madgear. Les autres, bon, je ne sais pas où ils passeront, mais ils ne sont plus là, à mon avis. Donc, on va garder leur jauge d'éveil à un certain. Faire reculer l'ennemi d'un rang. Un montant. Mais là, ça a one shot Silver, mais là, ça fait que 600 de dégâts. Really? Je sais pas ce que ça fait augmenter l'hostilité. C'est bon, tant que ça le termine. Genjil en mode Balek. Tanoshimasete moratta. Ningen no madoushi. その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で、END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ。その全ての負の感情が力となる生命の本質に基づいた力くだらねえなだったら魔法は未来を作る魔法に未来はない呪法こそが全てにおいて上位の力落ちよ
煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない、ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたをゼレフを破壊できる。バカな、半身が悪魔化しているシルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは夏を信じることだ。くれ、人間ごときに。くれ。Alors, murmurer. Sacrée attaque. J'attaque, murmurer. Ok, bon, on a Grey en moins là. Et on est toujours 4. Mais c'est toujours pas le combat final. C'est dingue. Par contre, elle a plus son mode vénère. C'est un petit peu terrible. Tornade. Hein. La bagarre. Salut Jonathan. Perso, moi ça va. Ah mais la fin ce sera... Oh bordel, il prend pas de dégâts. Ouh là là. Là ça va être tendu. Hein. Allez vas-y, un giga ray. Enfin, holy ray. Oh non, il prend plus de dégâts. Let's go, technique coop. Ah, il y a le Unison Red. Non. Ah, Unison Red entre les deux là. Bien sûr que là ils vont faire un. Boum, regardez. Après, faut faire la technique coop là. Ah oui, ils sont juste à côté de lui. Ok. Ok. Et toujours plus, les gars. Toujours plus. Oh. Mais il prend zéro dégâts. Ouais, c'est 1500, tu parles. Oh là 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 là. Ok, bon. Il est très sympa ce remix. Memento Mori. Bon, cette fois-ci, il n'y a plus Grey pour nous protéger, hein, donc le Memento Mori, normalement, ça nous tue. Hein. Ouais, bon, la magie ultime n'a pas fait grand-chose. Hop. Ok, bon. Lucie, on ne sait pas, mais voilà, il y a Lucie. Genre Gadget, je veux bien, puisque c'est un chasseur de dragons. Bon, c'est pas un dragon en face, mais bon, ça avait un sens, puisque tous les autres sont des chasseurs de dragons. Bon, on a Lucie. Voilà, il nous a fait 15 000 effets, là.